Alors, Catherine, quelle est votre fonction au sein du DCCAN? Je suis agent d'accueil. D'accord. Au bar. Ça consiste en quoi exactement, monsieur? Je suis un petit peu responsable, enfin, quand c'est mes horaires du planning, on fait un petit peu de restauration, des sandwichs, on s'occupe des équipes le week-end, l'accueil téléphonique et puis l'accueil des adhérents. D'accord. Et à combien d'open avez-vous pu assister? J'ai assisté à 6 open. D'accord. Dont 2 qui avaient lieu ici. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez pu voir évoluer cet événement depuis que vous travaillez ici? Oui, et au début, lorsque j'ai fait 2 open qui avaient lieu au TCCAN, j'étais bénévole, je ne travaillais pas encore au tennis. D'accord. Et après, donc, j'ai pu participer à l'open du Zénith. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça change? Il y a une grande évolution d'une dimension un petit peu familiale. On est passé à une dimension, comment pourrais-je dire, au niveau capacité, bah, je veux dire, maintenant on remplit un zénith pendant 5 jours, ça a totalement changé, c'est super maintenant, je veux dire. D'accord. Tout a changé. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans votre travail à vous, cet open? Bah, moi j'y vais après mes heures de travail ou alors sur mon temps libre. Donc, et comme en principe je peux travailler les 5 jours pendant l'open, celles qui peuvent être pendant 5 jours s'occupent des VIP. Donc on va placer les gens dans les loges, on les dispatche, on leur met un petit collier pour faire la distinction entre les différentes catégories. Je suis aussi à l'accueil quelquefois avec des amis, quelquefois je suis au vestiaire, voilà. Très bien, donc on aura le plaisir de vous retrouver aux phases finales. Voilà, oui, avec joie.